Tension sociopolitique entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo se rend chez Henri Konan-Betty. Que se passe-t-il entre Laurent Gbagbo, Henri Konan-Betty, sans oublier Guillaume Soro? Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan-Betty en compagnie. Laurent Gbagbo se rend chez Henri Konan-Betty à nouveau. L'information a été communiquée par Jeune Afrique il y a de cela quelques secondes sur les réseaux sociaux. Les deux anciens présidents ivoiriens, Laurent Gbagbo et Henri Konan-Betty, qui sont par ailleurs des alliés politiques, ont le même appétit politique. Ils aspirent tous les deux à revenir au pouvoir d'État qu'ils ont perdu dans les années antérieures. En tout cas, les deux leaders politiques de l'opposition ivoirienne, à travers leurs partisans qui ne jugent que par eux, ne cachent plus leur désir de revenir aux affaires d'État. Puisque les deux alliés politiques aspirent à retourner au pouvoir en 2025, dans ce cas d'espèce, il ne serait donc pas surprenant d'assister aux élections présidentielles de 2025 à une possible confrontation politique entre les deux alliés s'il arrivait que les deux candidatures aient retenu par la Commission électorale indépendante, en abrégé CEI, et sans oublier le Conseil constitutionnel d'Abidjan. Leur ambition politique de revenir au pouvoir pourrait impacter négativement leur alliance politique qui marche très bien pour le moment, même si elle n'est pas encore formalisée à travers la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. D'ailleurs, on ne sait pas encore qui de Betty ou de Laurent Gbagbo est le porte-voix ou le guide de l'opposition, alors que cela ça vient ici. L'indiscrétion de M. Guillaume Kibafori Soro sur les réseaux sociaux. Guillaume Soro se rend à l'Union européenne. Le président du GPS profite de l'occasion et envoie un message poignant au RHDP. Ils ont pour projet de prendre d'assaut le siège de l'Union européenne le samedi 2 avril. Les partisans de M. Guillaume Kibafori Soro comptent organiser un giga-meeting le 2 avril 2022. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire veulent donner de la voix pour dénoncer le traitement politico-judiciaire dont est victime leur mentor en Côte d'Ivoire. L'invitation à cette marche est faite sur la page officielle Facebook. Selon les initiateurs, le rassemblement va se faire le 2 avril à Bruxelles, plus précisément en Belgique, devant le siège de l'Union européenne. Il a pour objectif de dénoncer l'acharnement et l'harcèlement total judicio-politique du régime d'Abidjan contre le président du GPS, Guillaume Kibafori Soro, comme on peut le lire sur la fiche d'invitation. Accusé de conjuration, l'ancien député de Feke Zedougou a été condamné à la prison à perpétuité par la justice de son propre pays, la Côte d'Ivoire. Depuis fin décembre 2019, il vit en exil en Europe. Un mandat d'arrêt international est lancé contre Guillaume Kibafori Soro. C'est ainsi que nous allons assister au giga-meeting de Guillaume Kibafori Soro, prévu le 2 avril 2022.